absolument pas une situation d'échec. Nous avons travaillé pour regrouper autour de nous, en termes de zone d'influence et de collaboration au niveau du travail, un certain nombre de députés pour justement poser la question Corse, poser la question des territoires polynésiens. Nous avons réussi à regrouper des députés de Martinique, de Guadeloupe, de Polynésie, de Bretagne, qui sont des partenaires naturels, mais aussi d'autres députés qui sont capables de travailler dans le temps avec nous sur ces questions. Effectivement, les conditions techniques aujourd'hui n'ont pas permis de faire ce groupe à l'heure où nous parlons, mais un groupe de travail a été constitué. Rien n'interdit de pouvoir, dans l'avenir, constituer un groupe parlementaire et surtout rien n'interdit de réaliser ce travail dans la perspective d'élargir cette zone d'influence dans le but de faire ce pourquoi nous sommes ici, poser de manière pleine et entière la question Corse et la question des nations sans État, la question des territoires par rapport à la République et faire en sorte que nous ayons enfin un cheminement politique clair comme ce pourquoi les Corses nous ont envoyé, faire en sorte que l'on défende en tout temps et en tout lieu l'intérêt de la Corse. Ça a chopé sur le fait que certains voulaient la majorité présidentielle et parlementaire, ce pourquoi nous ne sommes pas là. Il est évident que nous ne donnons pas de chèque en blanc au gouvernement et à cette majorité, puisque nous attendons d'avoir des signes importants suite à la victoire des législatives. Et donc à partir de là, effectivement, certains députés voulaient aller dans un groupe majoritaire, d'autres non. Mais ces conditions-là, encore une fois, sont les conditions techniques liées au règlement de l'Assemblée nationale qui ont pu être réglées aujourd'hui. Ce qui est positif et important, c'est qu'un certain nombre de députés aujourd'hui, de médias, de relais d'influence, comprennent qu'il se passe quelque chose d'important qui va continuer de poursuivre. La trajectoire n'est pas terminée. Aujourd'hui, pour nous, c'est une grosse émotion. Trois députés nationalistes corses qui vont faire leur entrée à l'Assemblée dans quelques minutes. C'est historique, c'est un fait qui est historique. Donc pour nous, c'est un grand moment de plaisir, même si les lieux sont assez impressionnants. Alors, vous n'avez pas réussi à faire ce groupe. Est-ce que vous êtes déçu? Le premier sentiment, c'est d'abord l'émotion liée au fait historique que nous puissions participer aux travaux de la prochaine Assemblée. Le travail pour la constitution du groupe a été intense ces dernières heures. Nous avons réuni un certain nombre de députés autour de la table qui partagent beaucoup de sensibilités communes avec les nôtres. Même si nous n'avons pas réussi à formaliser la constitution d'un groupe, nous ne sommes pas isolés. Et en même temps, nous allons continuer à travailler dans les semaines qui arrivent en vue de la constitution de ce groupe. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel va être votre premier acte en tant que député? Nous sommes là pour mettre au centre des débats la question Corse, et donc nous allons examiner toutes les lois qui vont être proposées au Parlement. Nous allons être très vigilants pour la question Corse. Et nous allons, pour prendre nos responsabilités sur les questions nationales. Et c'est une superbe victoire d'être là. C'est une très grande victoire pour le peuple corse d'avoir réussi à envoyer trois députés nationalistes à l'Assemblée. C'est historique. Ben on va y aller, ça commence maintenant dans 10 minutes. Le sentiment qui domine maintenant, c'est un sentiment de gratitude envers tous ceux qui nous ont rejoints, qui nous ont aidés tout au long de la campagne. On va essayer maintenant de répondre à cette confiance, on va essayer de ne pas décevoir, on va surtout essayer de construire, parce que la Corse a besoin qu'on construise, à la fois sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique. La Corse a besoin d'être ressentie pour ce qu'elle est, dans sa dimension historique, dans ce que nous ont laissé les ancêtres. Voilà. Tous les sentiments, ils sont là. C'est un immense sentiment de responsabilité.